on a signé ici à Chambéry un contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec au total finalement 13 partenaires, évidemment l'autorité judiciaire, la ville de Chambéry, les associations à la fois d'aide aux victimes, mais les associations qui accueillent également les femmes victimes ou les familles victimes. Donc c'était très très important à la fois de préciser exactement le rôle de chacun et surtout de voir quelles étaient les complémentarités de notre action à chacun. Il y avait déjà une formalisation du partenariat qui avait été faite entre les associations en 2016, revalorisée en 2019. Et puis là, l'idée, c'était d'élargir le partenariat et vraiment, enfin, ce qui importe aussi, c'est de travailler en bonne coordination et de réseau pour vraiment arriver à un meilleur accueil des femmes victimes de violences et de leur prise en charge aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Cette convention, hein, elle nous sert à renforcer des liens qui existaient déjà, fort heureusement, au niveau de la Savoie, puisque vous avez entendu que notre association existe depuis 1977. Principalement pour nous, à Chambéry, nous avons un accueil de jour où les femmes peuvent venir du lundi au vendredi, de 10h à 16h, hein, avec leurs enfants. Elles peuvent venir également. Et en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs besoins, de là où elles en sont, on va les accompagner, on va déjà les écouter, et puis ensuite les accompagner, éventuellement les orienter vers d'autres partenaires par rapport à tout ce qui est juridique, tout ce qui est hébergement, enfin voilà, tout ce qui peut contribuer à ce qu'elles sortent du cycle de la violence dans lequel elles sont. Avec cette signature, vous avez une coordination de l'ensemble des acteurs qui vont du recensement de faits potentiellement gravissimes à terme sur lesquels il faut intervenir tout de suite. Il y a la formation de nos propres agents sur ce qu'est le harcèlement, parce que c'est pas facile, par exemple, à déterminer. Il y a le suivi des femmes qui viennent déposer plainte dans un contexte particulier. Donc, il faut des personnes formées qui soient pas forcément en uniforme pour les mettre en confiance. Il faut les loger souvent dans l'urgence. Il faut souvent les réparer mentalement et avoir un accompagnement sur plusieurs mois. Et en fait, c'est tout cela à mettre en place ensemble avec les compétences des 13 signataires aujourd'hui. Et puis il y a la sanction pénale qui doit tomber. C'était très important que le procureur de la République soit là aussi pour dire que c'est une priorité à la fois des forces de l'ordre, police, gendarmerie, mais du procureur de la République. Oui, c'est ça. En fait, ça veut dire que les contacts peuvent s'établir plus facilement. Ça veut dire pour sa voix de femme, depuis quelque temps, une prise en compte plus importante au niveau financier par l'État et par les différents partenaires, ce qui tout simplement permet à l'association d'exister, hein, puisque pendant un moment, on se demandait si ça allait pouvoir se poursuivre. Donc, c'est tout ça que cela concrétise par cette signature.